YouTube. J'espère que tu vas bien. Alors, je me demande si je l'ai pas merdé en fait. Je crois que j'ai cliqué sur le bouton démarrer l'enregistrement et que j'ai parlé trop vite. Peu importe. Nous retrouvons donc la douce Mirabelle dans ses aventures pour aller niquer des mères. Alors. Donc, je bouffe comme un sagouin. On va aller faire de la quête annexe. On va aller finir un peu les quêtes annexes du coin là. Alors cette faille là elle est infaisable. Enfin on n'a pas le level. Celle-là elle se fait je pense. On va prendre un... Une saveur exquise. Attends, je crois que celle-là elle est un peu thug. Ah non, ça se fait. Enfin, ça se fait, c'est les mecs à distance, ils sont relous. Je peux vite prendre ta roue en vrai. Mais l'avantage avec eux, c'est qu'ils sont fragiles. Alors attendez, parce que. Attendez. J'aimerais bien qu'il y ait ciblage automatique. Y'a pas ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah d'accord, ok, je connaissais pas. Non, bon, ça va clairement pas être là-dedans. Affichage peut-être? Non, ça serait pas logique. Soit c'est dans l'interface, soit c'est dans jouabilité. Il me semble qu'il y ait une option comme ça. Ah non. On va jamais activer cette option. Jamais. Non. Non. Si, ça doit être là-dedans. Bah, je sais pas. Il me semblait qu'il y avait une option, mais apparemment non. Il y a encore une bestiole là? Oh oui! Ah d'accord! Coucou toi! Tu fais une vidéo ou quoi, mon sauce? Ouh, il a pris. Non, il a pris tarot, putain! Non, je pensais qu'il allait me choper, mais non. Ok. Ok, le bail est géré. Eux ils sont tellement fragiles. Mais pas si cher que ça en vrai. Oula. Putain, il m'a bien eu enfoiré. Attendez, à tout sauf à ça. Yo, YOLO. Une fois pas deux. Une fois pas deux mon garçon. Casse-toi, dégage. Attends par contre. Tu ne m'intéresses pas. Dégage de là. C'était géré très facilement finalement. Voilà, une faille de plus, très bien. Encore le truc là. Donc ça c'est fait. Il faudrait qu'on monte en haut, je crois qu'il y a un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est mais il y a un truc. On va monter en haut. On va aller voir. Là-bas, c'est pas la quête bon filon là? Oui, si, ça doit être ça, je pense. Avec l'espèce de barrière magique là devant. On va aller faire ça. Ça me paraît honnête. Ouf, non, 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 non. On va surtout pas y aller. Est-ce qu'il se fait ou pas?
Je pense qu'il a. Il met encore un peu ta roue. Oh non, ça va, franchement, ça se fait. Connard. Oh le connard. Ah ouais, non, mais par contre, ils ont ça et c'est trop chiant ça. Mais putain, mais tas de connard. Mais ta gueule! Il m'a séché le cul. Il m'a séché le fion. Je vais me faire doser le fion. Oh putain. Oh là là, la douleur du mec, ce qu'il m'a mis. Non mais c'est bon, ça saute. Le bail est géré. Le bail est sous contrôle. Je sais plus ce qui justifie tant de haine, mais si, il me semble qu'il y a un truc bizarre. Bon, déjà il y a un site à revendiquer, donc on va y aller. Tiens, j'ai les yeux qui commencent à piquer, bordel. Que j'enlève mes lentilles quand je fais des streams le soir, parce que c'est... Solas, vous avez toujours vécu seul? Dans la nature, en apostat? La plupart du temps, oui. C'est pas horriblement éprouvant, ce genre de vie? Les gens peuvent être éprouvants. Bah non, les humains. Je fais des phonings pour appeler des mecs, oui, en leur proposant des assurances. Ah, pendant que la connexion internet décède. Alors, là, clairement, la faille là-bas, on va pas aller la faire. Ah, nous avons gagné de l'argent. On va faire cette quête de merde. Et où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Voilà. On va aller faire cette quête nulle. Ah, mais attends, non, il y a le truc avec lui. Vous m'avez empêché de conclure un marché, vous m'avez fait perdre une bonne occasion de gagner de l'argent. Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Ah, désolé, vous pouvez pas, rappelez-vous, je suis qu'un simple stagiaire. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais, allez vous faire foutre. Où il y a du monde? Il y a du mundo. Putain, il a un bon level en foireau ça. Mettre en foireau, c'est notre huissier de justice. Oh la vache. Ils font mal, hein. Oh, putain, ils font mal, les cons. Putain, ils ont un niveau de merde, mais... Ouais, mais en même temps, ils sont deux sur moi, donc c'est évident que je vais me faire doser. Boîte à potions. Fameux. Allez, allez, Mirabel. C'est bon, ça va le faire, le bail est géré. Okay. Par contre, il reste encore l'autre blaireau, là-bas. Te balancer des pralines dans le fion là. En fait faudrait que je reste les autres. Je pense que ça pourrait être un bon choix de vie, mais ils sont où? Ils sont morts où, putain? Oh là là, quelle bande de connards. Mais qu'est-ce que tu... Arrête de bloquer sur les textures, espèce d'idiote. 100% ils sont sur les mines. Ah merde. Il faut que je me claque une barrière, genre vite, parce que il fait mal. Ouais, il fait mal le salopard. Varric. Je vais relever Varric. Non, je vais relever Cassandra. Oh putain! Ah ta mère! Ah ta race boulba! Je vais me faire doser le fion. Oh oui, puis en plus les sauvegardes c'est. Non! Oh, putain, je suis un connard. C'est toujours la galère ultime. Ni! Il va me remettre des mines. Il va me remettre des mines. Putain, là je suis vraiment dans la merde par contre. Là, je suis vraiment dans la merde. Il est immunisé contre ça. Ouais, bah tu vas fermer ta gueule, t'es gentil déjà. Je vais me claquer une barrière. Ah putain, puis la caméra est daubée. Ouais. Putain, il est trop relou en vrai. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Oh, mais je lui fais zéro dégâts quoi. Ah la tristesse infinie du truc quoi. Y'a que ça qui lui fait des dégâts en vrai, avec l'électrocution.
que les... Oh là 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 là. Oh, je prends tellement ta roue, putain. Ça, il est immunisé, il a rien. Ouais. Non, mais là, là genre 100% je le passe pas, quoi. C'est impossible que je le passe. Ou alors il faut que je fasse des espèces de petits dash de merde comme ça. Comme une grosse victime. Comme un gros bolos. Ouais, par contre, calme-toi, t'es tout seul en fait. C'est pas à toi que je vais expliquer que tes potes sont morts. Allez, on va le finir, on va le finir. Allez. Allez. Le dash de la victime, quoi. Ok. Oh, oh putain, c'était chaud. Oh putain, que c'était chaud. Ah, ça c'est bien ça, voilà. Voilà, ça c'est goldé ça. Dégâts bonus sur les barrières, ça c'est bien ça. Ça c'est vendeur ça. Ça c'est sexy. Et du coup je peux filer blanche andalouse à l'autre blaireau de Solas. Vas-y, fais-toi. Mets-toi bien, mon sauce. Mets-toi bien. Mets-toi bien, refrain. Ouais, là, c'était les mecs chelous qui vénéraient le ah, du lyrium rouge. Ah, oh, ah, ça le bail. Ouais, c'était quand même. Ça pue un peu la merde, votre bail. Du lyrium rouge. Et un mineur en herbe, je dirais. Bah, t'es un peu con, mon con. Hein. T'es fait baiser dans les grandes largeurs. Les mecs avaient vraiment fait un blocus, blocage de l'université, quoi. On en était là, ils avaient mis des pancartes pour mettre des grandes affiches. Non au plan étudiant. Moi vivant, jamais. On va, vous savez quoi, on va passer au campement vite fait. Parce que là, on est quand même globalement pas bien. Et puis on ira faire la quête du... On ira faire la quête où il faut aller rechercher... Rien à signaler, noble dame. La dulcinée de l'autre cinglé chez les sectaires. Allez. Ça ce soir on finit un peu les quêtes relous. Je vais vite faire ça et puis on ira ensuite dans le coin au nord. Au nord, c'était les courons. À terre, c'était le charbon. Voilà, on va aller retrouver la zouze. Voilà. Il faut informer Béran. Béran. Ah oui, alors je vais sauvegarder parce que je sais plus pourquoi, mais... Ah si, tu peux lui dire de rejoindre l'Inquisition, mais je l'avais pas fait comme un connard. Et j'avais... Ma save était hyper loin la dernière fois. Ah, du coup j'avais ragé à mort. Pourquoi j'ai l'impression que t'avances pas? Allez, tape le bélier, tape-le. Cours vite l'enfoiré. Ce qui galope pas, hein, bestiaux. Hein. Vous savez quoi, je vais prendre un petit verre de coca pour tenir. Parce que là, je suis très fatigué. Mais comme j'ai lancé mon record et qu'on est qu'à 14 minutes, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Il faut que je tienne encore 50 minutes. Donc, je vais prendre un petit verre de coca. De manière à entretenir mon diabète. Mon cancer aussi au passage, hein, parce qu'on est plus à ça près. Et à tenir. Alors je vais vite fait. Je vais vite fait voir les cinglés. Les mormons.
Comment c'est la secte complètement cinglée là en Corée Qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois que je suis pas du tout allé au bon endroit. Oh, c'est... Non, c'est de la merde. Il y a une secte complètement folle en Corée là, je sais plus comment il s'appelle. Qui vénère la Troisième Guerre mondiale pour anéantir le communisme. La secte Moon, ça doit être un truc comme ça. Et aux États-Unis, t'as une. Je voyais ça, je crois, sur Brut, il me semble. T'as une. Des mecs dans le même genre tu peux aller faire bénir ton arme. Tu peux venir avec ton gun à la messe. Et tu peux faire bénir ton arme. Parce que c'est un outil de paix et pas de guerre. Ah, bah, les plats, voilà. Et le discours de ces gens était particulièrement flippant. Ils ont le droit, hein, je respecte parfaitement leurs opinions, mais ils faisaient quand même un peu flipper. J'avoue que j'étais pas serein en regardant ça. Tu te dis quand même... sale bail, quoi. Sale bail. Attendez. Juste que je check un truc. Ok. Ok. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Parce que je me rappelle plus ce qu'il faut faire, mais... je veux surtout me faire niquer. Non, mais elle a calanché. Je suis désolé. Tazouz a claqué. Vélina est morte. Nous devions être ensemble. Le créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? Alors, le créateur, non. Les pillards, oui. Oh, mais la réponse de l'ultra-violence, quoi. C'est de votre faute. L'Inquisition a besoin de rentrer. Comme vous. Venez nous aider à rétablir l'ordre. Oui. Des innocents meurent pendant que moi j'attends dans les collines, je servirai la volonté du créateur par l'épée. Mes hommes et moi-même mettrons nos forces au service de l'Inquisition. Je sais pas honnêtement comment la dernière fois j'ai pu répondre l'autre choix. Tellement c'est un truc de bâtard. Ah mais si. Je pense qu'en fait j'ai pas bien lu et j'ai dû. Parce que des fois je suis pas dyslexique mais des fois, je lis pas correctement les mots quand je lis trop vite, en fait. J'ai tendance à. Je sais pas si c'est un nom, si cette pathologie a un nom, mais des fois, quand je vais lire un mot, une phrase, je vais être persuadé qu'un mot est un mot alors que c'est pas celui-là. Genre démission, je vais lire destitution, et alors qu'en fait, c'est écrit démission. Et je vais relire trois fois la phrase, et en fait, je vais toujours lire la même connerie. Et il y a un moment où je me dis, non, c'est pas du tout logique dans cette phrase. Et là, je comprends. Et du coup, j'ai dû surinterpréter le truc en voyant... non, mais c'est pas de votre faute. Calmez-vous. En fait, non, j'ai répondu comme une grosse connasse. La grosse saloperie, quoi. Alors, cette faille-là, je crois qu'elle pue la merde. Non, casse-toi. Celle-là, elle pue la merde. Alors là, il y a un camp. Mais pareil, c'est chiant. Là, il y a un camp. C'est dans le truc du dragon, là. Et du dragon, hein. Vous savez quoi, on va aller dans le bled là. Enfin dans le campement ici. Et on va aller faire ces quêtes là. Voilà. Je vais chercher du coca. J'ai soif. C'était un choix de merde. Putain, mais la démarche débile du canasson quand il saute. C'est assez ridicule. Non, j'ai pas envie de combattre, vous me faites chier. Oh putain, il y en a partout.
Non, vous ne m'intéressez pas. Parez-vous, je ne veux pas acheter de mini tour Eiffel. Partez. On va aller faire cette faille. Oh mais attends, je crois qu'elle est vénère celle-là. Oh. Ah oui, si, ça y est, je vois, ok. Ça y est, là je remind. Alors celle-là, elle se fait. Je crois qu'elle se fait. Le mec passe sort, hein, tu sais. Cette fois, celle-là, c'est la bonne. Hop. Ah si, ça va. Oh mais non, mais... Putain. Ce manque de chatte infini. Celle-là, je l'ai pas volée. Celle-là, clairement, je l'ai pas volée. Voilà. Qu'est-ce que... On n'est pas dans The Hobbit là les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas très rassurant. Mirabelle a atteint niveau 6. Oula. Oula. Oula, sale bail. Sortez. Sortez de chez moi monsieur. Qui vous a permis de rentrer dans mon bureau? Quel enfer. Mais pourquoi il radine? Mais putain, mais pourquoi il radine? Juste cassez-vous. Relève-toi. 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 Dépêche-toi. Je veux bien le mec rentrer dans un appart. Et le gars qui lui répond commence à me parler poliment. Ah putain, connard. Il va me fumer. Voilà, c'était sûr. Allez, allez. Faut vraiment que j'ai plus de volonté que ça parce que la régène de mana c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Alors je sais plus pourquoi je devais aller là. Ça c'est bien ça, amulette de magie améliorée. Merde, je commence à roter, quel enfer. Casse-toi, dégage. Voilà. Pourquoi qu'il gueule? Ah ouais. C'est pourquoi ça, guerrier? Tu penses que... Je sais pas, comme j'ai mes capacités en automatique, j'ai aucune idée de ce que je fous avec les items. Ah voilà. C'est là où le bail commence à puer la merde. On va aller fumer les apostats. Ah non mais là c'est pas l'entrée du truc de l'Astrarium ou je sais pas quoi. Oula. Bah. Qu'est-ce que c'est, un mauvais remake de Warcraft? Un peu mort là. Non mais si, 100% c'est à côté là. 100% on n'est pas loin. Ah mais c'est peut-être juste là en fait. Putain merde, je sais plus où c'est. Pourquoi ma vie pulse comme ça? Ici c'est dans le coin. Voilà, c'est là. Je reconnais, c'est bon. Mais là par contre il y a du monde. Ouais bon c'est bon, on est bon niveau potion. Bah moi je crois qu'on fait plus qu'approcher là. Je crois qu'on est en plein dedans surtout. Je vais me claquer une barrière, vous savez quoi? Tout de suite.
Non, ça je n'aime pas. Oh ça, oh ça fait mal ça. Le problème c'est que je l'aggro. Je suis un connard. 100% je suis un gros con. Bam. Mais casse-toi toi. Mais d'où? Quel connard. Oh la victime. Oh mais quelle victime. Il a l'air tout stressé le gars. Allez. Celle-là, cette fois c'est la bonne. On l'a victimisé, c'est très bien. Le guerrier d'abord, oui, alors aussi. Ah mais d'accord, t'étais là, ok. Tu veux voir mon vous là? J'ai l'impression que je l'ai vexé. Par contre calmez-vous, c'est une barrière. Peut-être se détendre tout de suite. Bon, je vide la grotte des clodos là. Je lève le blocus de l'université de Lorraine. Et c'est parti. Et là c'est la purge. Oh putain, ça va être l'enfer. Il faut que je les éterre vers l'extérieur. Ça va être l'enfer. Et c'est là où le sort de zone fait le café à l'infini. J'aurais peut-être pu me reclaquer une barrière. Je sais même pas si c'est sur moi la barrière en fait. Comme je ne lis pas les descriptions des sorts, ça se trouve c'est que pour les sauces. Et moi je peux les me faire foutre. 100% je suis sûr que c'est ça. On s'en bat les couilles non? Ah bah non. Bah je ne sais pas, je ne... Je vois pas de bonus en fait, c'est ça qui me perturbe. Pendant que le jeu passe à 140 fps parce qu'on est dans un environnement fermé, tout se passe bien. C'est sous contrôle. Putain, il est vénère lui. Putain, il déconne zéro le gars. Allez. Cette fois c'est la bonne. Bref, saloperie, putain, sympa le gars quoi. Sympa le mec. Tu vois, t'as qui va crever de nous deux. Espèce de petit con. Ouais. Maintenant que ces apostats sont morts, les réfugiés devraient être plus en sécurité sur la route du roi. Oula, qu'est-ce que. Mais il pue la merde. Attends, qu'est-ce qu'il a? Ah, oui, non, ok, je ferme 100% ma gueule. Attends. Plus 2 de volonté, plus 5 de magie, plus 4 de défense magique, 27 dégâts de froid. Il fait un peu moins de DPS, mais il file de la magie et de la volonté. En vrai, par rapport à des dégâts sur les barrières, bon, c'est vrai que dégâts sur les barrières c'est intéressant, mais non, mais vraiment, je pense que je vais prendre celui-là. Hein. Je vais prendre celui-là, puis je vais filer le celui-là à l'autre. Hein. Donc, celui-là, enfin, celui que je viens de dropper donne plus de. De bonus pour au final une perte de DPS qui est acceptable. Donc on peut partir sur ce bail là. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît honnête. Par contre ce bâton là dans le coffre c'était de la merde. Ne le prenez pas, jamais. La connexion a l'air de tenir bon, ce qui est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse encore? Qu'on en finisse avec cette zone de merde ce soir, parce que je n'en peux plus. Ouais, faudrait que je fasse ces quêtes à la con et que j'aille... Attends, comment on va au Golfalois déjà? Merde, je me rappelle plus. Si, je croyais un chemin par là. On va aller... Putain, mais il y en a à l'infini. Ah, j'aime décoratif, ça il m'en faut, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça.
Encore? Putain. Ah non, ok, c'est une pierre. Ah non, c'est un sac. Oh, sac avec 60 pièces d'or. On va quand même pas. Ça déconne zéro, on va pas passer à côté. Ça serait dommage. C'est une plante. Putain, il y a du monde qui se fait. Ah oui, c'est parti en sale bail. Espèce de truc vaudou là au milieu de la forêt. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ah, ça a mal fini. Hein. Ça a très très mal fini cette affaire là. Volons des choses. J'ai rien. Non, c'est de la merde. Non, ça je n'aime pas. On va aller faire ça, puis on ira faire la petite faillouse là-bas. Comment je fais pour y aller? Ah, ça doit être, si, ça doit être par là, vers la droite, non? Non. Parce que là, c'est le chemin pour aller à Golfalois. Que je vais me retrouver Keblo au bout. Ils vont me dire non, tu ne rentres pas, tu pues la merde. Tu ne nous intéresses pas. On ne veut pas. On ne veut pas de ça chez nous. Ah, si je dois pouvoir monter par là. On devrait bientôt arriver au village de Golfalois. Oui, mais on pourra pas rentrer. Visitons plutôt la maison de quelqu'un. C'est beaucoup plus drôle. Beaucoup plus intéressant. Oui, si, je dois pouvoir monter par là. Voilà. Minutes de live. Putain, je suis en PLS. Mes yeux ont séché, c'est infini. Vive les lentilles de contact. C'est un beau moulin. Avec des beaux béliers. Ils vont se battre? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je les laisse se battre ou on fait quoi? Ah non! Mais c'est quand même de l'ingérence pure et dure. Ah oh merde, c'est dommage. C'est quand même de l'ingérence pure et dure, les mecs vont sabrer la gueule tranquille, je veux dire, entre gens de bonne conscience. Les mecs veulent juste se sabrer le fion tranquillement sans demander le reste. Et nous on vient les faire chier. Est-ce vrai que toute l'économie naine repose sur le... C'est peut-être pas eux. En grande partie, on a aussi le marché du cochard. Et les nains d'Orzammar n'ont jamais étudié le lyrien? Si c'est le cas, ils n'ont jamais partagé leur découverte. Pourquoi? C'est la source de toute magie, mis à part celle que les mages produisent eux-mêmes. Seuls les nains ont la capacité de l'extraire en toute sécurité. Je me demandais s'ils avaient tenté d'en apprendre davantage. Les gens à Orzammar ne s'intéressent qu'à la tradition. Bah, ça a l'air d'être une société bien relou. Hein. Enfin, bien relou. Bien conservatrice. Donc bien relou à mes yeux. Mais enfin bon, si ça les sauce de lire le même bouquin pendant 1000 ans. Ça les regarde. Je sais même pas ce que j'ai fait. Fouiller le corps. Ah bah je crois que le mago il s'est fait péter le cul hein. Ah bah non, c'était le guerrier alors. L'âme de seigneur mercenaire, ça va bien aller à Cassandra. Quoi qu'elle ait déjà un truc un peu claqué hein, je crois. Ouf. Ah non. Ah attends, si. Plus 3 de force, plus 4 de peine et d'armure, et là il y a plus 3 de volonté. Je sais pas si elle a des pouvoirs Cassandra, je sais pas comment ça se gère. Je sais pas lequel est le mieux.
plus 3 de force, il fait mal quand même. Ça a pas l'air si worse que ça. Hein. Non, je peux pas la mettre. Ah, quoique pénétration d'armure, c'est pas trop mal. Mais fissurer en touchant, c'est bien aussi. Puis elle fait des bonus de dégâts critiques. Ouais, bon, allez, on va lui laisser. C'est bien. On va lui laisser gérer sa vie comme une grande. Ah, attends, elle est pas un peu tendue celle-là? Ça a pas l'air si simple. Hein. Cassez-vous, putain! Ah, puis j'ai pas beaucoup de potions en plus, ça va peut-être être un peu tendax. Toi, la victime là, tu vas fermer ta gueule. C'est la deuxième vague qui est infernale. Oh mais il y en a trois de ces saloperies. Non, non, ça va en fait. Le bail se gère. Mais d'où il me chope là? Je suis à 2 mètres de lui. Tiens, dans les couilles. Dans les tagliatelles, mon con. Allez. C'est bon. Faut la fermer, moi, la faille. Ça pop là. Anneau de tir sauté amélioré. Je sais pas si la tir sauté va. Il faudrait que je mette les points là parce que. Alors, Mirabelle, ma chérie. Ma chérie, votre barrière peut rester à pleine puissance plus longtemps avant de commencer à se dissiper. Ok. Ça, c'est pas mal, hein. Ça c'est pas trop mal. Alors ça. Ah puis volonté au déverrouillage plus 3, ça c'est cool aussi. Ça c'est abusé parce qu'en vrai je suis trop fragile et je vais me faire fumer le cul. Donc je vais d'abord mettre ça. Et ensuite je mettrai de l'offensif. Mais ça c'est super cool ça. Quel enfer. C'est une maison. Attendez, je me rappelle d'une quête où il fallait aider une... Une pauvre Zeus dans le malheur hein, qui avait perdu l'alliance de son mari. Rêve de pierre. C'était quoi cette quête? Infernale. Allez, on va aller établir un camp.
Je sais plus par où il faut passer, par contre. Je suis pas sûr que ce soit de ce côté-là, typiquement. Non, c'est pas plutôt par là. Je me souviens plus. Ah non, si, il y a peut-être moyen par là. Non. Putain, c'est glauquissime ça. Des plantes. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Je vais me faire très mal. Qui es-tu? Je suis toi. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Ah si, je dois pouvoir y arriver par là. Ah mais attends, y a pas, là il n'y a pas une meuf qui me dit, qui me donne une quête en mode oh, faites attention, il y a des bodies. Mais si, 100%. Rubelette. Bandit droit devant, ou présence hostile, il bloque la route. Vous ne pensez pas que ce sont des bandits? Les bandits attendent que les voyageurs soient vulnérables. Ils attaquent en un éclair et personne n'en réchappe. Cela se montre beaucoup trop tôt. Plutôt que de détrousser les gens, ils veulent surtout les éloigner. Soit ils sont bêtes, soit ce ne sont pas de simples bandits. Et ils sont trop armés pour être bêtes. Ça, c'est un super raisonnement, ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces assaillants sur la route? Plusieurs groupes. Quelques archers. Ils ont de meilleures armures que la moyenne. Ils sont trop nombreux pour nous. Si vous y allez, ne vous faites pas prendre à revers. Ils ne font pas de prisonniers. Ok. Je vais me faire défoncer le cul. Je vais me faire fumer le fion. Ça va être instant. J'ai une potion. Oh là là, je vais me faire défoncer. Je suis un connard d'y aller. Mais il me faut ce camp. Ah ouais, et puis si on est 6. On en a à l'infini en fait. Ah putain, c'est ça de la porte. Là, faut faire attention parce qu'il y a les archers. Ils font très mal. Mais c'est bon, j'ai mon aura d'apaisement. C'est bon, ils sont un peu nazes. Qu'on soit débarrassé d'eux. À nous, de coups de bouclier améliorés. Bah, ça, Cassandra, je pense qu'elle peut prendre, hein, clairement. J'ai pas fait attention où j'en étais niveau masse. Ah ouais, 50 sur 60, par contre. Je commence à me calmer le cul parce que. D'après mes recherches, si je dis ça, il est possible je que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Ah mais oui. Je m'en rappelle. Parle-lui. Quoi? Je ne vous veux aucun mal. Je m'appelle Myris. À en juger par vos armes, vous êtes sur le point de combattre. Nous avons probablement un ennemi commun avec... Tu m'as l'air bien trop perspicace. Je vais quand même t'aider parce que je sais que je pourrais être niqué à la fin. Mais tu m'as l'air beaucoup trop perspicace, ma vie. Il y en aura toujours d'autres. Par contre, commence à me parler poliment. Je n'ai pas le pouvoir de refermer les failles. En revanche, bah moi si, ça tombe bien. J'ai entendu parler d'artefacts qui réagissent aux voiles. Ils peuvent peut-être prévoir l'ouverture de nouvelles failles. Allez, on va faire la side quest de Solas, comme ça il sera heureux. À mon avis, nous ne sommes pas loin d'un de ces artefacts. Vous pourriez m'aider à le trouver? Ça vaut le coup d'essayer. Je me mets tellement dans la merde, il me reste plus de potion, genre une pauvre potion. Et je veux juste aller faire mon camp comme un connard. Je ne crois pas que je m'en serais sortie toute seule. Mais allez, mon cul. Moi je pense que tu caches bien ton jeu, ma petite. À faire ta sucrée là. Oula, c'était débile. Ça aussi c'était con. Oula, y'a du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? J'arrête de prendre toute la merde que je trouve.
Genre par exemple tout ça là, ça je ne le prends pas, voilà. Ça ne sert à rien, ça ne vaut rien. Oh putain, il y a du monde à l'infini. Non ! Putain ! Je croyais que j'avais un truc pour limiter l'aggro là. Ah, je vais prendre cher, je vais prendre cher. Non, ça va aller. C'est un peu des victimes quand même. C'est un peu des victimes en vrai. Voilà. Une fois le cristal activé, il devrait réagir à la force du voile. Ouais, moi je te. Ça sent quand même un peu la merde ton truc. Hein. Je sens un autre artefact elfique. Ah oui, c'est ces trucs-là. Les protections aident à renforcer le voile. La zone devrait être plus sûre pour les voyageurs maintenant. Bah très bien, magnifique. Voilà qui pourrait nous être utile. Il semblerait que les ancêtres aient laissé un petit quelque chose pour moi. Intéressant. Connasse. Notre collaboration s'achève ici. Allez en paix, étrangère. Non. Malani. Maglan Dival. Virena Salim. Voilà, il va te parler. Peut-être... Voilà, ferme ta gueule, donne-moi ça, ma vieille. Voilà. Je suis sûr que c'est de la merde en plus. Ah, d'accord, c'était rien en fait. Putain, la meuf, comme elle a tellement essayé d'abuser. La meuf vient chez toi pour squatter, elle chie sur ton parquet, elle s'en va après avoir vidé ton frigo. Non, mais je passe juste, hein, t'inquiète pas. Je viens juste boire une bière. Connasse. Putain, mais je reprends encore de la merde. C'est pas possible. Je m'épuise moi-même. Bon, je vais aller faire ce camp de merde là. Et dans un petit quart d'heure j'arrête parce que je commence à avoir les yeux qui piquent là. Allez, je vais faire ce camp de la mort là. Il me reste plus de potions. Je vais me faire fumer le fion. Oh putain. Je suis un connard. Je suis un énorme connard. Mais je vais y aller quand même. Pour la science. Voilà. Oh là là. Ça va être l'enfer. C'est des archers en plus, ça va être l'enfer. J'y vais, j'ai pas mis de barrière, rien. Oh. Non mais c'est pas grave. C'est grave mais c'est pas très grave. Casse-toi. Casse-toi, tu ne m'intéresses pas. Oh là 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 là. Quel enfer. Non mais si, ça va passer en vrai. Ils sont pas si hard que ça. Par contre, ouais, je vais me prendre un coup. Non, c'est bon, le saut de biche. Le légendaire saut de biche. Bon. Le bail a l'air d'avoir été géré. Sans problème, quoi. Ah oui. Non, il faut aller les chercher, mais ils sont à l'autre bout de la map, on va pas le faire. On fera ça plus tard. On fera ça plus tard. On va déjà faire ce putain de camp là parce que. Il faudrait que j'aille vendre parce que là j'ai. Mon sac est en train de dégueuler. Il y en a dans tous les sens. C'est l'enfer. Mais je vais déjà établir ce putain de campement. Il faut que je me recharge en potion. Tout le monde est en PLS. Ah merde, il y en a encore. Oh non, il y a un gros en plus. Oh non, tu fais chier. Connard. Heureusement que je l'ai vu à temps parce que sinon je me faisais doser. J'aurais dû mettre une barrière, c'est débile. Alors là par contre, un petit comme ça, voilà. Commence à me parler poliment. Ouh là là. Ouh la vache. Oh le sang. Oh celle-là je l'ai évité, putain. C'était magnifique. Bon ça va, j'avais encore la régène de toute façon. Ah bah si, elle est là la barrière. Je ne m'explique pas les choses. Bon, on va continuer de récupérer comme un... littéralement comme un gros clochard tous les trucs qui traînent. Nous pourrions monter le camp ici. Oui. On y était presque. Une camée de verre. Hein. Mais si on parle de drogue, moi je prends. Voilà, ça. Ça dégage. Hop. Et là je peux le prendre là. Voilà, magnifique. T'es quoi? Ok. Alors on ne va surtout pas aller plus loin là-bas. Parce que là-bas il y a le dragon. Qui doit être level 16. Et je suis niveau 6. Donc on va surtout pas le faire.
Parce que... c'est le décès instantané. Déjà qu'en vrai, les dragons, je galère toujours. Parce que je joue pas assez tactique et j'y vais trop comme un bourrin. Donc on va pas... on va pas donner nos couilles sur un plateau. On va essayer de se la jouer fin. Je vais aller vider mon putain d'inventaire parce que là, ça dégueule de partout. Donc allons gagner deux pauvres pièces d'or merdiques. Alors, il est où le mec qui vend du maïs là, voilà. Le mec vend vraiment des courgettes. Ah non, c'est du maïs. Putain, j'ai dit ça au pif, mais ça passe crème. Vendre. Non. Non, on s'en fout. Putain, merde. Le nombre incalculable de merde que j'ai, quoi. Bon, bah, Blanche Andalou, de toute façon, il était un peu naze. Hein. Le bâton était un peu nul, quoi. Ah putain, mais c'est mieux que ce que j'ai, ça. Pourquoi je l'ai pas mise, je suis con. Code de maille du défenseur. Elle a quoi, elle? Ah non, ça, c'est pas bien, ça, par contre. Ça dégage, ça. Mage, Solas. Solas, il est avec son espèce de charpie à moitié à poil là. On va lui mettre ça, c'est très bien. Ça, ça dégage ça. Attends, elle a combien déjà, Cassandra? Je me rappelle plus. Ah ouais, non, alors elle 100%. Bon, les vitards, ça dégage. Ça, c'est sûr et certain. Putain, c'est pas mal ça. Ça, je vais le mettre à Varric, je pense. Ouais, il a rien en plus. Qui d'autre n'a rien? Solas, il a pas de casque. Non, mais voilà, je vais leur mettre des trucs. Je vais leur mettre des trucs, quel enfer. Alors, ça, je peux le mettre maintenant. Ah, ben voilà. Ça, je peux le mettre. Hop. Ça, j'avais dit Varric. Varric. Voilà. J'avais dit que je mettrais l'autre combi là aussi. Le cuir. On pourra les pimper, ok. Pas mal. Côte de maille d'apprenti. Ça, je vais le mettre à Solas. Ok. Cassandra. Non, Cassandra, elle était, le bail était géré pour elle. Capuchon elfique. Ça, je vais le mettre à Solas. Voilà. Et Vendon. C'est de la merde. Ah, le mec a son... c'est ses fringues, quoi. Condition Solas. C'est-à-dire que si le mec veut ouvrir une friperie, globalement, ça ne marche pas. C'est cassé. Capuchon de script templier. Résistance spirituelle. J'aurais peut-être pu mettre ça à Solas, remarque. C'était le truc que j'avais avant. Non, ça pue la merde. C'est bon. Allez. Ça dégage. Du coup, je suis libre, légère comme l'air. Allez, on joue encore 10 minutes et on arrête. Dans 10 minutes, je remballe les goules. On va continuer sur de la side quest. Et puis demain après-midi, je relance le stream. Et je fais la quête principale. Parce que là, on s'emmerde. On s'emmerde globalement comme la neige. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah mais si, c'est elle là qui a... Je crois que là-bas c'est la meuf qui dit « Retrouvez mon alliance, l'alliance de mon mari. Pitié !» Truc du genre. Alors à votre avis, la quête... Rien à signaler, noble dame. Ah, ne me parle pas, le connard, tu sais. Ah, t'as rien à me dire, bah ferme ta gueule alors. La gentillesse. La douce, toute la douceur d'un monde. Hop. Allez. Je sais plus si c'est elle, mais normalement c'est une petite maison. Ah, mais il y a une faille au-dessus là. Vraiment? Ah oui, bah oui, bah je vais aller faire la faille là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, merde, non, j'ai sauté, fallait pas. Oh putain. Ah ah. Oh, ma vie pue le seum, bordel. Ma vie pue tellement le seum.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah c'est là. Ouh, il a pris tarot le garçon là. Il a pris tarot le canasson. Ok. Très bien. C'est juste ça en fait. C'est pas du tout ce que je cherchais. On va aller faire la faille là-bas. Hein. Il nous resterait un camp à faire. Bah à la limite demain quand je commence à stream, on se fait le camp pourri. On va explorer un peu la zone du bas, comme ça on n'aura pas trop à y retourner. Oula. Oh putain, toutes les commandes dégueulasses que j'ai tapées dans la console. Tu vois que le mec était en PLS, genre ZZZZQQQQQ. J'ai tenté de lancer les pouvoirs, quel enfer. Ah bah si, c'est elle je crois. C'est cette maisonnée là. Je crois bien que c'est elle. On va fermer des failles, ça c'est toujours la valeur sûre. Putain, j'ai pris l'agro comme un connard. Ah non mais si, mais je la vois la barrière en fait. Je suis un connard. J'ai pas fait gaffe mais tu la vois bien la deuxième barre en fait. Oula, par contre là je prends le tarif. Par contre elle dure vraiment pas longtemps la barrière. Voilà, je crois que c'est elle qui va te dire retrouvez Bobary, pitié. Allez, ouvre ta porte là. Ces salauds de Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Ils méritent de crever. Ils ont tué votre mari. Dites que les Templiers ont attaqué votre mari. Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence. Le propriétaire a fermé la porte. Qu'est-ce que je dois prendre ça pour quoi? Les rebelles nous tombent. Bah alors, vous êtes pressé? Grogne, bah je t'aide pas hein, si tu veux. Hein. Grogne. Si ça te fait chier. Oh non, mais vas-y, putain. Oh putain, tu m'as ma vie pulse. On va terminer là-dessus. Je fais vite fait cette quête là et on arrête là parce que... Oh non, ma vie pue tellement le seum. Il pouvait pas le crever Rien à signaler. Je sais pas, il pouvait pas se faire fumer à 100 mètres les mecs. C'est trop leur demander. Oh quel enfer. Bon, je vais pas m'énerver. Pas cette heure-ci. J'ai plus le courage de ça. Non, en vrai, c'est pas loin. En canasson, c'est pas si loin que ça. Avec les TP, c'est pas la mort. Sauf s'ils sont encore vivants, les gars. Et là, il faut que j'aille les sécher, c'est chiant. Ah ouais, merde, putain. Ah non, faut vraiment jouer au jeu. Fais chier. Non, mais non. Il descend. C'est totalement pas ce que je voulais faire. Bon après ils sont... Ah ouais, ils puent la merde. Oh putain. Ils puent la dépression les gars. Oh là 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 là. Qu'en prendre des Templiers? Mais je les ai fumés les Templiers. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Putain mais ça me fait comme de la trotte après pour aller lui redonner son alliance à l'autre que... Blairotte là. Rien à signaler, noble dame. Ne bouge pas, je vais chercher le poney. Allez. Je pense que j'ai assez streamé. J'ai les yeux secs. Je rends l'argent et j'arrête. C'était déjà une bonne session. Waouh, waouh.
Méfiez-vous des Templiers. Calme-toi, par contre. Arrête de gueuler, je suis à un mètre de toi. Voilà, calme-toi. Prends ta rétaline. Ça va bien se passer, ma vieille. J'ai trouvé voilà, ma fille. Sur un Templier que j'ai tué. Oui, c'est elle. Soyez bénis, vous et l'Inquisition, pour avoir vengé mon mari. Ça ne le ramènera pas. Mais son esprit peut reposer en paix, tout comme le mien. Oui, bon. On peut voir ça comme ça. Bon, allez. On sauvegarde et on arrête. Parce que là... Voilà. Stop. Ça suffit. Faut que je coupe mon record. Oui. Au revoir YouTube. Merci d'avoir regardé. Je te fais des bisous.